Bonsoir, mesdames et messieurs. Le commissaire aux langues officielles souhaite qu'il y ait davantage d'immigrants francophones dans les régions comme ici où les francophones sont minoritaires pour renforcer les communautés. Graham Fraser estime également qu'il n'y a pas assez d'incitatifs pour attirer les immigrants loin des grands centres urbains. Nous avons deux reportages pour comprendre les réalités aux deux extrémités du pays, en Acadie avec Marilyn Marceau, mais d'abord à Vancouver avec Noémie Mukanda. Dorothée Perrault est arrivée à Vancouver il y a 2 ans. Moi, j'ai eu la chance d'obtenir un des derniers visas avantage significatif francophone. Ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est que le contrat qu'on m'a offert ne me donne pas beaucoup d'heures. L'enseignante française est donc sur le point de quitter sa ville d'adoption. À part se battre et avoir la patience d'attendre pour obtenir la résidence permanente, je vois pas trop de solutions, quoi. Une situation que déplore notamment Graham Fraser dans son rapport. Souvent, comme on dit dans le rapport, les employeurs ne sont pas nécessairement conscients de la valeur ajoutée par l'arrivée des immigrants francophones. À la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, on regrette que le programme Avantage significatif ait été supprimé. Car si l'immigration francophone est un élément essentiel à l'épanouissement des communautés francophones en milieu minoritaire, comme le spécifie le rapport du commissariat aux langues officielles, l'immigration, elle, est devenue temporaire, ce qui ne facilite pas la rétention du nouvel arrivant. Nous devons avoir la capacité de mettre en place des mécanismes pour pouvoir intéresser les immigrants, à les attirer vers notre communauté, leur donner équiper avec, par exemple, un emploi qui va leur permettre de rester. Parce que si ces critères étaient réunis, Dorothée Perrault ne penserait pas à retourner en France. Surtout que son frère a décidé de s'installer à Vancouver pour une année. Je suis venu ici pour vivre l'aventure un petit peu. Je m'attends à avoir des difficultés pour trouver un logement, pour trouver du travail, comme c'est souvent le cas quand on va dans une grande ville. J'espère trouver des choses grâce à la communauté francophone. Une communauté francophone grandissante. D'ailleurs, la proportion d'immigrants dans la population d'expression française à l'extérieur du Québec met la Colombie-Britannique en tête des provinces avec près de 26%. Toutefois, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Graham Fraser rappelle que les francophones ne représentent que 2% des nouveaux arrivants, alors que le gouvernement tablait sur 4%. Il recommande dès lors davantage d'incitatifs pour les employeurs afin que des personnes qualifiées comme Dorothée Perrault ne pensent pas à faire marche arrière. Ici Noémie Mukanda, Radio-Canada, Vancouver.